Je voudrais ici insister que la lutte que nous commençons aux côtés des enseignants des écoles publiques, c'est une lutte qui ne cible pas les écoles privées. Il faut que là, les choses soient bien définies. La cible, c'est le gouvernement congolais. Mais nous avons constaté que, après plus de 40 jours de grève des enseignants, personne ne s'est intéressé à leurs questions. Et nous, comme synergie des groupes de pression, mouvements citoyens et associations de la ville de Butembo, qui nous intéressons à la question des violations des droits humains, après d'autres luttes que nous avons menées les jours passés, nous avons aussi pris le temps d'écouter les enseignants. Et en considérant les desiderata comme nobles et les luttes comme nobles, je cite ici par exemple salaire non amélioré avec plus de trois assises avec le gouvernement, d'abord en mars et ensuite en mai et puis en juin, pour essayer de demander aux enseignants que voilà, on va améliorer votre condition de vie. Mais rien ne s'améliore. Après avoir écouté qu'il y a des vieux enseignants qui devraient être à retraite, mais qui continuent à donner cours sans prime, sans salaire, avec, dans des conditions difficiles. Après avoir écouté que nos enseignants sont maltraités ou sont considérés comme des enfants, lorsqu'on peut leur donner les salaires sans listing, comme personne sensible à la question des violations des droits humains, les membres de tous les mouvements citoyens ont constaté que nous devons lutter aux côtés de ces enseignants, soutenir les luttes. Et pour que cette lutte puisse bouger les lignes, c'est-à-dire le gouvernement puisse être sensible à celle-ci, nous avons pensé que si toutes les écoles ferment leurs portes, ça peut quand même bouger les lignes. Parce que cette initiative de la synergie ne vise pas seulement la ville de Butembo. Ça va d'abord toucher tout le Nord Kivu. Mais nous commençons par la ville de Butembo, où nous avons nos sièges sociaux. Nous pensons que cela peut aider les enseignants à trouver certaines réponses à leurs recommandations. Et donc, que les enseignants des écoles privées, que les promoteurs des écoles privées ne puissent pas se sentir ciblés. Mais plutôt, nous voulons qu'ils accompagnent leurs collègues. Même si on n'a pas eu le temps d'aller les conscientiser, mais nous avons pensé que c'est bon de les faire le plus tôt. Parce que, selon apparemment la procédure de fonctionnement des écoles, si la grève dépasse plus de 50 jours, on va arriver à l'étape de déclarer l'année blanche. Et nous, dans cette crainte-là, nous avons pensé qu'on peut amener les autres aussi à se solidariser avec les enseignants des écoles publiques. Et donc, c'est ici l'occasion pour moi de dire que les mots que j'ai utilisés inquiétaient, parce que j'ai dit que nous allons inquiéter les écoles privées, n'est pas à inscrire dans les contextes de dire qu'on va violer, on va faire des actions de violence, ou qu'on va toucher la quiétude des écoles privées, mais c'est à inscrire, même selon les dictionnaires, s'inquiéter, à les amener à s'inquiéter des conditions de vie de leurs collègues. C'est-à-dire les amener à se préoccuper aussi. C'est-à-dire les amener à prendre en main les problèmes de leurs collègues. Je n'ai jamais été violente dans ma lutte. Et donc c'est ici où je lance le message à certains politiciens qui commencent à manipuler certains promoteurs d'écoles privées, que Madame Rose n'a jamais été violente et sa lutte est toujours pacifique. Mais s'ils peuvent prendre le temps de consulter les dictionnaires, ils vont voir que nous, on voulait dire qu'on va amener les enseignants à s'inquiéter aussi, c'est-à-dire à se préoccuper de la question de leurs collègues. Et pourquoi? Parce que d'abord, si ces gens ne se préoccupent pas de la question de leurs collègues, quand l'année sera déclarée blanche, ça ne va pas les épargner. Parce que ce ne sont pas les privés qui produisent les diplômes.
Ce ne sont pas les privés qui signent, c'est plutôt l'État congolais. L'éducation du domaine de l'État congolais. Je ne suis pas contre, je souligne. D'ailleurs, dans leur forum WhatsApp, où j'ai eu des fuites, ils ont dit qu'ils se sont rappelés que je suis parent d'élèves des écoles aussi privées. Bien sûr, mes enfants étudiaient dans une des écoles privées, surtout au niveau maternel, avant d'aller dans des écoles publiques au niveau primaire et secondaire. Donc, je suis parent, j'aime et les écoles privées et les écoles publiques. Et donc, c'est là, leur innovation-là devrait les rappeler que ce n'est pas une question de dire que je suis contre les écoles privées parce qu'elles ont contribué à la formation de mes enfants. Donc, nous voudrions plutôt que, chers promoteurs, chers enseignants des écoles privées, que vous preniez juste quelques jours de vous joindre aux enseignants des écoles publiques et surtout qu'on ne sait jamais. Parce que les écoles publiques, si les conditions de vie sont améliorées là-bas, quelqu'un peut quitter même l'école privée à l'école publique. Et donc, notre lutte va jusqu'à lutter aussi, non seulement pour les conditions de vie des enseignants, mais pour les parents, la démunie, qui ne savent pas payer les frais au niveau des écoles privées, mais qui sont en train de voir leurs enfants, en train d'errer, en train peut-être de jouer et de s'en donner à des jeux dangereux en cette période de grève. Mais ces parents sont démunis. Beaucoup ont inscrit leurs écoles dans des écoles privées à partir de la gratuité de l'enseignement primaire. Beaucoup d'enfants n'étaient pas inscrits. Mais nous voyons tous ces gens-là. Nous devons sortir de l'ego, de l'égocentrisme et emboîter, plutôt adhérer à l'altruisme, chers enseignants des écoles privées. Et c'est ce qui nous anime. Moi, je n'ai jamais été enseignante dans une école publique, mais et même s'ils touchaient leur salaire ou si on améliorait les conditions de vie, je vais être contente de les voir aussi vivre comme les autres, mais je ne vais pas bénéficier de façon directe. Soyez comme nous, unissons nos forces ensemble, parce que si cette situation est comptée, non seulement ça va aider vos collègues enseignants à vivre aussi comme vous, mais aussi ça va aider ses parents qui ont des enfants. Et c'est la majorité qui ne sait même plus, qui ne sait même pas inscrire les enfants dans des écoles privées. Donc c'est cela. Il ne faut pas commencer à faire des choses. Et c'est ici où nous mettons en garde certains politiciens qui peuvent manipuler certains promoteurs d'école. Nous allons envoyer des gens dans des écoles pour vérifier s'il peut y avoir un promoteur d'école mal intentionné qui peut tenter de brûler même sa propre école. Parce que pour chercher à détruire le nom de Madame Rose. Et je leur dis, comme chrétienne, il ne vaut pas m'avoir. Et ma lutte n'est pas politique. Loin de là. Et c'est ici où je dis, je ne suis pas votre adversaire. Jamais. Parce que nous ne sommes pas dans une compétition. Chers politiciens, qui sont en train de faire des commentaires dans des groupes, et parmi lesquels il y a aussi des propriétaires, des promoteurs d'écoles publiques. Non, je ne le suis pas parce que nous ne sommes pas dans une compétition. Mais quand même, je le suis, d'autre part, parce que je ne partage pas les mêmes valeurs que vous, les antivaleurs d'ailleurs. Vous avez trompé ces enseignants, vous les politiciens, qui êtes aujourd'hui, qui vous êtes liés aujourd'hui derrière les promoteurs des écoles primaires privées. Vous avez demandé à ces enseignants, vous aviez promis à ces enseignants l'amélioration de leurs conditions de vie lors de la campagne électorale. Effectivement, je suis votre adversaire de lutte parce que nous ne partageons pas une même idéologie et on va ensemble lutter, on va voir si la vérité ne va pas triompher sur les mensonges. Vous avez trompé les parents d'adhérer ici pour dire quand nous serons à Kinshasa, nous allons lutter pour l'amélioration des conditions, plutôt de la qualité de l'enseignement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous ne voulez même pas soutenir ces enseignants? Qui, si aujourd'hui les conditions sociales sont améliorées, ils peuvent s'adonner et commencer à faire des recherches et cela va contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Où êtes-vous? Où étiez-vous pendant ces 40 jours? Aujourd'hui, c'est 47 jours. Où étiez-vous pendant que ces enseignants étaient en train de réclamer pour vous lever aujourd'hui avec force dans les réseaux sociaux pour commencer à injurier les mouvements citoyens. Les mouvements citoyens, les groupes de pression, les organisations des droits de l'homme que nous sommes,
nous ne sommes pas et nous ne serons pas intimidés par quiconque. Si vous voulez faire déposer une plainte contre ma personne, allez-y, je vous encourage. Mais rassurez-vous que vous avez des preuves, mais rassurez-vous aussi que vous êtes en train de contribuer à quelque chose. Si cela va contribuer à quelque chose, tant mieux. Et pour finir, je vais m'adresser aux parents. Je dirais des collègues, aux parents comme moi, parce que j'ai mes enfants, comme j'ai dit, et dans des écoles privées et dans des écoles publiques. Je leur dis ceci, chers parents, à qui nous disons, et tu machika hererawa. Vous qui avez les enfants comme moi dans des écoles privées, demandez, retenons ces enfants à la maison, à partir de lundi. Parce que nous voulons contraindre, nous voulons amener tout le monde et nos populations comme parents, parce que les acteurs de l'éducation ne sont pas seulement ces enseignants, mais c'est aussi nous comme parents. Nous sommes des acteurs de l'éducation. Et donc nous voulons que nous tous, à partir de lundi, nous puissions observer des journées zéro uniforme. Et nous, comme militants, nous serons en train de remonter les messages. Les gens sont en train de penser que nous, quand nous disons aux élèves de rester à la maison, que nous allons croiser les bras. Mais non, nous sommes des activistes et nous savons par où passer pour amener les messages. Mais pendant ce temps, nous allons dire, voilà, à cause de vous, tous les enfants ont séché les cours. Nous voulons chercher juste, trouver des arguments pour pousser ces gouvernements qui ne se préoccupent pas à la grève des enseignants ou aux conditions de vie des enseignants, d'y arriver du moins. Et nous avons toutes les techniques de le faire. Ayez confiance en nous. Il n'y a pas de défaceur, vos défaceurs, outre, en fait, vous n'avez pas d'autres défaceurs que nous. À partir de l'insécurité, à passer par d'autres problèmes, c'est nous les mouvements citoyens, c'est nous les groupes de pression. Où se cachent ces gens-là qui sont en train de vous endetter? Je voudrais dire, enfin, abandonnons nos intérêts privés. Nous savons, les écoles publiques, plutôt privées, sont comme des entreprises. Parce qu'ils vivent également justement des frais des écoles. Lorsqu'ils vont sécher, ils auront aussi quand même des soucis économiques, manque à gagner. Mais je vous rappelle aussi que s'il y a une année blanche, les parents vont vous demander leurs frais là, que vous aurez déjà consommé. Donc nous avons intérêt à unir les forces pour que nous puissions arriver à l'objectif. Et je rappelle encore que nous n'allons pas croiser les bras. Nous savons comment nous allons transmettre le message à qui nous connaissons la cible. La cible, c'est le gouvernement, c'est le président. Ne pensez pas que nous sommes devenus des malades mentaux. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et pour ceux qui sont en train de nous injurier, je leur dis beaucoup de courage et cela ne nous décourage même pas. Par contre, ça nous encourage. C'est ça le militantisme. C'est ça les ingrédients de la lutte. Donc plus si vous nous injuriez, quand nous savons que la lutte dans laquelle nous sommes est noble, plus si vous nous donnez de l'appétit de la lutte. Et là, nous allons poursuivre la lutte. Quelles que soient certaines personnes, quelles que soient ce que diront certaines personnes qui vont voir leurs intérêts égoïstes, et nous allons évaluer à un certain moment pour voir si on peut reprendre, s'il y a des gens qui ont donné des listiques, si on a vu ceci ou cela, parce que nous aussi, nous ne sommes pas vraiment prêts à observer de l'injustice comme celle-là. Non. Allez-y. Madame Rose, j'ai une question. Vous dites que votre lutte,